Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Lionheart et on est ensemble sur Dokkan Battle. Enfin, si j'arrive bien sûr à mettre ma fenêtre. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposé après ce tournoi, que vous avez passé une bonne journée, hein, parce que c'est important. Et merci Angie pour les bits. Je me fais biffer en arrivant. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça a été, hein, dans l'ensemble. J'avais ma visite à l'hosto, tout ça. Et du coup, bah, tout va bien. Bon, malheureusement, quand je suis rentré chez moi, j'ai été me faire un petit resto. Bon, ça, c'était cool aussi. Et quand j'ai voulu lancer le live, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas internet à la maison. Bon. J'ai attendu en fait, hein. il y a eu un incident et j'avais plus internet. Enfin, il y avait une connexion mais elle était pas suffisante pour lancer, pour faire quoi que ce soit. Il y avait pas de connexion suffisante pour faire quoi que ce soit avec. Et du coup, bah voilà, j'étais un peu dégoûté. J'arrivais même pas à lancer Discord, c'est pour dire, hein. Et donc voilà. Donc là normalement ça devrait être bon. Ma connexion est plutôt stable. Ma connexion est stable apparemment. Bon, je vous replace le chat. S'il a encore bougé, je sais pas pourquoi. Voilà. Ça y est, le vilain chaton est placé. Attendez. Pourquoi tu prends pas tes cadeaux dans ta box? Ouais, c'est un florilège! Un florilège de trolls qui arrive. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposé quand même après le tournoi, parce que bon, il a été, pour certains, c'était dur, chaud bouillant. Personnellement, j'ai dû farmer quasiment jusqu'à la fin, pour rester dans le top 20. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de farmer pendant 4-5 heures. J'ai arrêté de farmer pendant 4-5 heures et j'ai juste géré le top 20. Hein. J'ai juste géré pour pas sortir du top 20. Et du coup, bah voilà, c'est bien, plutôt bien passé. Donc j'étais 19ème, 18ème. A savoir que en étant 18ème cette fois-ci, j'aurai de meilleures récompenses que toutes les fois où j'ai été 3ème, même 1er. C'est bizarre à dire, mais je vais avoir plus de récompenses en étant 18ème cette fois-ci. Que les deux fois où j'ai terminé premier le tournoi. Bon, ils ont décidé d'augmenter les récompenses assez fortement. C'est à dire que là par exemple je vais recevoir 1500 grosses orbes, 12 000 moyennes, 22 000 petites, etc, etc, de chaque. C'est juste énormissime. C'est juste énormissime. Les orbes qu'ils mettent dans le top 20 là, C'est quasiment un an de farm. Donc c'est juste énorme. C'est je vais faire mes trucs journaliers en papotant un peu. Et puis ensuite, bon, pour tout ce qui est événement, tout ça, on fera ça à partir de demain. Hein, je vais pas m'attaquer à ça pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que là sur ce truc là, il y a quand même l'aspect, enfin, un Goku Kaioken à faire. L'aspect, etc, etc. Wizbot est arrivé. L'aspect de notre ami Kaioken, des Kaioken à farmer. Il y a un petit Gohan aussi, pourquoi pas, hein, un petit Gohan. Il y a lui à farmer, le slug, juste pour la collection, on va le faire. Mais en tout cas, le Kaioken est important parce que c'est pour monter l'aspect des autres Kaioken, donc faites-le, n'hésitez pas à le faire. Allez, donc nous on va invoquer sur voilà. Donc j'ai 13, 23 SSR garantis à aller chercher. J'espère que j'aurai des bons SSR. J'aimerais bien avoir Kefla. Sur les 23, j'aimerais bien avoir une ou deux Kefla. Pour terminer ma Kefla, la mettre 100%. Ensuite, des Godku, pourquoi pas. Le Goku puissance aussi, il est pas mal. Salut Pinzo, le Goku puissance aussi il est vraiment bien. On va vous montrer ça, hein. Hop, c'est parti. Donc ce Goku j'aimerais bien le mettre 100%.
parce qu'il est très bon et ça fera une carte en plus hein, à 100%. Ce Godku également, il est très bon. Celui-là est très bon aussi. Lui, on s'en fout. Lui, on s'en fout. Lui, il est très très bon aussi également. Ça serait cool de pouvoir le monter le up à 100%. Lui est très très bon également. Encore un personnage que j'aimerais monter à 100% également. Lui, j'ai qu'un seul. Lui, j'ai deux doublons. Lui, j'en ai qu'un, je crois. Ça va être tranquille, Pinzo, merci. Et voilà. En tout cas, pour les personnages. Tous les personnages détecteurs, à part le, à part lui là, on en a rien à foutre. Et lui, hein, qui est un peu aux F. Tout le reste, on aimerait bien les avoir, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai 23. Je vais faire les 23 invocations aujourd'hui. Donc 23 SSR garantis. Et mercredi, j'aurai 10 tickets en plus, 9 tickets en plus. Donc il y aura 9 SSR garantis en plus. Donc ça fera 32 SSR garantis en 2 jours. Et puis je garderai les invocations de l'arc enfant pour mercredi. Hein, comme ça, on fera une double invocation. Arc enfant et SSR garantis. Donc voilà. Ou alors vous voulez que je fasse tout mercredi, les 30 et quelques, machin, etc. etc. C'est comme vous voulez. Bonsoir Mordred. Alors je sais pas si vous avez entendu notre ami Neketsu qui a droppé 2 LR, Drink qui a droppé 2 LR ce matin. Je l'ai vu en direct. Je l'ai vu en direct, ils ont invoqué, on était à 3 sur Discord avec Drink et Neketsu. Et ils ont invoqué devant moi via le partage d'écran sur Discord. Et ils ont essayé, mais ils ont tout essayé pour me faire invoquer ce matin. Et j'ai tenu bon, je n'ai pas invoqué comme d'habitude. Mais ils ont joué un peu les tentateurs, tu sais, les petits diablotins sur l'épaule. Ils ont tout fait pour essayer de me... Ils ont même essayé la provocation, tu vois. Ils ont même essayé la provocation, mais bon, c'est... Voilà. Alors déjà, on dit bonsoir, merci pour les 1 mois, quand on arrive chez quelqu'un. Hein. Et non, j'ai pas reçu les tickets, j'ai pas reçu les trucs du tournoi, on les reçoit mercredi. Mais la moindre des choses, c'est de dire bonsoir, très cher monsieur, ou fille, je sais pas. Ah bah si tu dis bonsoir avant que le live commence, ça va être compliqué, hein. Loul. Bon allez, c'est parti, on va invoquer pour les 5 garanties, donc il y a 23, j'ai 23 invoques à faire. Donc on espère qu'on aura les cercles qu'on veut, hein, et c'est parti pour les invocations. Hop là. On espère qu'on aura un peu de Kefla hors détecteur, ce serait cool. Ah, ça pue un peu. Bon, on sait que c'est ça garanti, hein, donc voilà, y a pas de... un Goku Genkidama qui ira chez Baba. Bon, même si c'est notre ami Goku Genki, bon, malheureusement, il ira chez Baba, parce que je l'ai déjà à 100%. Ok. On est reparti. Allez hop. Un Fitbou. Je pense qu'il n'a toujours pas son Dokkan, le Fitbou. Le Bou athlétique. Non mais pour les invocations, je vais vous dire la même chose encore une fois. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas à moi de décider à votre place. Moi je suis là, je vous donne des conseils. Je vous donne des conseils depuis, depuis que le live existe. Maintenant vous savez ce que je pense de ces portails et tout ça. Voilà. Si moi avec 1500 DS j'invoque pas, vous qui êtes free to play, qu'est-ce que vous devriez faire? Ça c'est votre responsabilité, c'est vous qui choisissez quoi.
Le Vegeta Super Saiyan 2 qui aura son Dokkan, je crois. Je sais plus. En tout cas, il va certainement en avoir un. Hop. Merci, alors tu vas éveiller Colère Freezer. Le bout puissance, alors très bon. Malheureusement, je l'ai déjà à 100%. Lui, c'est un, il va avoir un des meilleurs, il va avoir un des meilleurs Dokkan du jeu, hein, tout simplement. Excellentissime, monsieur Bou. Pas Bou plutôt. Alors, lui, si vous l'avez jeté ou vendu chez Baba, chier! Allez, une petite Kefla. On veut une petite Kefla, s'il vous plaît, monsieur le bot. Monsieur le mec qui branche les câbles. Alors, ah, ça, là, on tape dans l'ancien. Bon, après, les CJ2, ils peuvent servir justement à monter l'aspect des CJ2. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas si mal que ça. Bon, lui, j'ai déjà 100%, enfin, avec 4 doublons, machin, aspect 10. Donc, lui, il ira dans l'aspect d'un CJ2. Les cadeaux arriveront mercredi, c'est toujours 2 jours après la fin du tournoi. Merci bien, au revoir. Piccolo Endurance, alors lui j'aime beaucoup, alors là c'est bien, j'aime bien l'avoir, je suis content d'avoir un doublon, j'aimerais bien le mettre à 100%, il est très très bon, n'oubliez pas, lui c'est un must have si vous voulez faire le Battlefield, ou alors même le Battle Road, en team Endurance, Super Endurance, c'est def plus 70% quand il est Dokkan, très très bon, très très bon, très très bon. Pareil, hein, si vous jetez ce genre de carte, bah, vous êtes des glands, hein, tout simplement. Ah, un Goku Agi, ça c'est bon ça. Bon, j'aimerais bien avoir quand même une petite Kefla, s'il vous plaît, ça serait gentil. On va assister à un medley de différents morceaux de scène. Ça a farmé lourd, hein. Ça a farmé lourd. Les 4-5 dernières heures, c'était gros farm. Les gens ont farmé comme des malades. Le Goku Endurance. Donc, le Goku Endurance, c'est le Knucker de la catégorie. Enfin, de la catégorie du type Endurance. Il fonctionne très bien avec Vegeta, bien sûr. Bon, malheureusement, je l'ai déjà 100%. Ça commence à être un peu relou, hein, hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon. Une Kefla, une Kefla, une Kefla. Non, pas toi. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Kefla, Kolipa. C'est pas toi que je voulais. Hop. Salut Draken.
Ah bah désolé pour vous les gars, mais c'était prévoir, hein. Il y avait beaucoup d'orbes à prendre dans les récompenses. Le Pequan. Non, pas Pequan. Putain. Mais c'est quoi ce truc? Il me donne que les unités que j'ai à 100%. Ah, ça fait chier. Ah là, je veux une Kolifa. Une. Non, une Kefla plutôt. Ah, j'ai ripé. Le Gotenks que j'ai également à 100%. Oh lolo. Ça va être le festival des reventes chez Baba. Ou alors je vais les garder de côté au cas où qu'il y a d'autres personnages qui sortent et pour monter les SP parce que là j'en ai marre de vendre. De vendre chez Baba. Un Whistek, je sais plus, je crois que je l'ai 100% aussi, malheureusement. Mais les places pour le top 1000 vont être chères maintenant. Hein. Les orbes, il y a tellement d'orbes distribués dans ces places que ça va être. Vous allez voir les récompenses. Hein. Les récompenses sont malades. Franchement, les récompenses sont hallucinantes. C'est parce que vous avez peut-être pas regardé, hein, mais. Le nombre d'orbes qu'il y a à gratter, c'est ouf. Hein. Alors, hop. Au niveau des orbes. Attendons, alors. Est-ce que. Ah ouais, vous avez beaucoup parlé sur le Discord. Vous avez beaucoup, beaucoup parlé. Bon, bah, j'irai voir les trucs après. Vous avez beaucoup parlé sur le Discord. Ah, un Godku, un deuxième Godku, ça c'est cool. T'auras conseillé avec les cartes cadeaux, je ferai ça demain. Demain sur le live, les cartes cadeaux. Enfin, les cartes cadeaux. Les trucs. Les nécessaires à choisir, je ferai un live demain là-dessus. Parce que bon, on va pas tout mélanger. Hein. Non, c'était sur DBZ Space. Il y avait juste à cliquer en fait sur un lien. Mais regardez ta place et tu voyais toutes les orbes qu'il y avait. Tous les cadeaux et toutes les orbes. Un végétateur. Alors lui, bon, hein. Bon. Hein. Bon. Hein. C'est le nuker pour la Team Tech, mais bon, hein, quand même. Ma gueule. Padam, padam. Il n'y a pas de date, Ilos, pour ça. Aucune date. On sait jamais quand ça tombe. Hein. En général, c'est soit pour les anniversaires, soit pour les gros, les grosses célébrations, type 250 millions. Ça, c'est une à deux fois par an, hein, les gars. Hein. Vous pensez pas en avoir 10 000 par an. C'est une à deux fois par an maximum. Ah, le bout mal incarné, puissance, bon. Pas terrible, hein, mes invoques, hein, pour l'instant. J'ai eu deux Godku. Et le reste, c'est du chez Baba. Ah, détecteur. De moi, un Goku puits. Un petit Goku puits. Quoi? Mais pourquoi? Ça va.
Les waifus devraient avoir un Hadouken en février. C'est plutôt pas mal pour la catégorie Peachy Peachy Girl. Il me donne tout et n'importe quoi, mais pas ce que je veux. Bon, bah, ouais, okay. Et encore 4. On fera un récap à la fin. Hein. Pop. Bah dis donc, février pourquoi? Bah parce que c'est la Saint-Valentin, Pinzo. Et là c'est les waifus. Ok, bon là il me troll le jeu, là le jeu me troll. Il a décidé, ça tu vas le vendre chez Baba. Et fake news. Mais non, en fait non, c'est pas une fake news, hein. Vous verrez. C'est un des rares events qu'on a en commun avec la version japonaise, hein. On a très très peu les événements en commun. Bon, le 1er avril et la Saint-Valentin en fait partie. Non mais il est sérieux lui? 3 fois en suivant la même carte? What the fuck? Allez, encore 2 d'invoque. Il va pas me faire 5 Goku si? Culé, c'est lui qu'à dire. Bah lui on pourra le monter SP10 hein, du coup hein, avec l'event hein, Goku Kaioken. Bon, c'est pas la fête du slip hein, je vais vous dire la vérité pour l'instant. Bon, on aura 9 nouveaux CCR mercredi. On a 9 nouveaux CCR mercredi, on fera l'arc enfant mercredi également, l'intégralité de l'arc enfant. Il me met un gros doigt. Un Shushenron qui ira dans l'aspect de Shushenron. Ouais. Ah ouais, allez, ça garantit. Bah là, en étant dans le top 20. Dans le top 20, j'en ai 9. Alors qu'en étant 3ème, j'en avais une 8, je crois. Bon, récapitulatif. Donc. Alors 23 SSR. Bon, il y aura toutes ces merdes là à virer, hein, bien sûr. Baba. Baba, lui certainement Baba, parce que lui je dois l'avoir 28 000 fois. Bon, il faut que je vire toutes ces merdes là, toutes ces serres à la con, là, je vais le faire tout de suite, hein, vite fait. Voilà, moi je les mets chez Baba parce qu'ils sont déjà SP10 4 doublons. Hein. Ils sont pas chez Baba parce que c'est de la merde. Vous, voilà, comme dit Baleine, vous devez absolument les garder, les gars.
Et encore, il y a certaines unités que vous mettez pas chez Baba puisqu'elles servent à mettre un Goku cheveux noirs. Bon, bah ça peut servir de caillot sur un Goku cheveux noirs, vous voyez. Donc par exemple, lui, je vais pas le mettre chez Baba parce qu'il va monter l'aspect d'un autre Goku cheveux noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc quand on dit Baba, c'est par exemple, comme un Paekwan. Lui, tous mes Paekwan sont fait 10 cas doublons. Et en plus, il existe un Super Strike. Il existe un Super Strike pour monter l'aspect des Paekwan au cas où il y a d'autres Paekwan qui arrivent. Donc voilà, lui, tous mes Paekwan fait 10 cas doublons. Donc tous mes Paekwan 100%. Donc lui, il ira chez Baba. Voilà pourquoi je dis Baba. Hein. Mais sinon, c'est une très 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 bonne carte. Hein, lui fait partie des must-have. Si vous l'avez pas, bah c'est dommage. Mais il fait partie des très 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 bonnes cartes, des cartes à avoir. Donc voilà quoi. Ouais, Paekwan il est farmable bah, tout simplement aujourd'hui. Hein, sur l'event AJ du Super Strike. Donc en mode histoire, vous avez le Paekwan, le meilleur combattant du secteur ouest. Donc le Paekwan. Moi je l'ai pris avec les tickets. Bah t'as bien fait NJ, il est très très bon. L'NSP farmable, il diminue grandement la def. Il y a très peu d'unités, messieurs, qui diminuent grandement la def. Donc c'est une unité vraiment qu'il faut prendre. Alors, dans les unités à prendre, je voulais en faire un live demain pour expliquer mieux. Mais dans les unités à prendre, il y a quelques must-have quand même. Ils sont où ces connards? C'est ça? Nouveau joueur? Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Dans les unités à prendre, mais vraiment, on a notre ami Goku Blue qui est très très bon. Mais vraiment, Goku Blue est très très bon à prendre. Le Goku cheveux rouges est très bon à prendre. Mais là, je dis à prendre pour plusieurs unités. Après, c'est à vous de faire votre choix en fonction de votre box. Hein. Le Golden Agi, un must-have. Si vous ne l'avez pas, moi, je vous conseille de le prendre. Là, il arrive en priorité quasiment dans les personnages à prendre de toute façon. Là, on a les deux qui sont sympas. Le Whis qui fonctionne très, 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 très bien avec le Beerus Tech. Beerus Tech qui aura son ZTUR. Donc, le Whis est très bon pour jouer avec le Beerus Tech. Donc c'est une carte à ne pas oublier. Le Paekwan bien sûr qui était vraiment exceptionnel. Il diminue fortement l'attaque. Il y a très peu de cartes qui font ça sur Dokkan. Même si aujourd'hui de plus en plus de boss vous empêchent de machin de minana. Et ça sert quand même. Ça sert quand même. Moi c'est des cartes avec lesquelles j'ai fait le Battle Road. Donc vous pouvez imaginer à quel point elles sont sympas quoi. Le Bardock Tech, un must have. La carte qu'il faut, si vous voulez jouer un jour le Goku LR Tech, il vous faut absolument le Bardock. Hein, le Bardock est indissociable du Goku LR. Donc, très très bonne carte. Donc, moi je vous conseille de le prendre si vous voulez jouer Goku LR. Si vous voulez pas jouer Goku LR, c'est que vous êtes des glands de toute façon. Et voilà. Donc, ensuite on descend. Nous avons le Boo Tech. Très bon. Récupère des pourcentages sur les PV, sur les dégâts infligés. Donc récupère des PV sur les dégâts infligés en pourcentage, il est très bon. Un must-have pour la team Extreme Tech. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le prendre avec un ou deux doublons. Hop. Ensuite, le Thalès c'est pas dégueu et notre ami Metal Couleur, ceux-là sont bons, sont des supports pour la team Extreme Hunt. Après il faut avoir envie de jouer Extreme Hunt, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc ils sont bons, ils sont prenables, mais c'est pas forcément les must-have. Lui, notre ami Goku SJ3, il aura un ZTUR, il est très bon une fois qu'il a son ZTUR. Il inflige des dégâts colossaux, c'est un gros cogneur. Une fois qu'il sera SP15, ça sera l'équivalent de dégâts immenses. Ça restera, la désignation restera dégâts colossaux. Mais le multiplicateur en SP15 équivaut à dégâts immenses. Donc il fait quand même de très très gros dégâts. C'est du 2,5 millions en crit. Hein.
2,5 millions en crit dans une team SJ3, c'est quand même pas mal, hein, pour une carte entre guillemets moitié free to play. Très bonne carte. Le virus puissant sera certainement un jour un ZTUR. Donc bah après comme on n'est pas sûr, hein, on sait pas. Mais sinon ça reste une grosse carte aussi. Le Goku, meilleur copain de Migate no Gokui. Très bonne carte également. C'est le genre de carte que tu mets à côté de Goku en team divin. Et tous les liens s'activent. Donc ça c'est vraiment sympathique. On a le Goku Nordax qui est pas mal non plus. À 100% il commence vraiment à cogner fort. Sordokan est très bon en plus également. N'oubliez pas aussi le Gohan Pui. Si vous n'avez pas de Gohan LR par exemple, le Gohan Pui rentre en team sans mêlée. Sans aucun souci. Le SLJ2. Gros cogneur. Hein. Gros cogneur. Lui à 100% il arrache des fions. Hein, je vous le dis tout de suite. Très bonne carte. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Le Trunks GT qui rentre également en Dragon Maléfique. Bonne carte aussi. Très bonne carte. Donc, ça vaut plutôt le coup. Comme toutes les unités GT, hein, de toute façon, ils ont des bons liens avec les SJ4, tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Il n'y avait pas le... Le Goku SJ3 GT, un des meilleurs supports pour la team SJ3, pour la team SJ3, également pour la team puissance, meilleur copain de Goku, hein, Goku SJ4. Ça, il envoie du pâté. Hein. Au niveau des. Excusez-moi, je perds ma voix. Au niveau. C'est du 33% hein, de boost. C'est vraiment sympa. Bon, moi il me fait chier, j'ai 100%, hein. Moi j'ai 100%, il est très bon. Moi ce qui me fait chier c'est qu'il se transforme en Ozaru tout le temps, donc c'est chiant. Bon par contre il rentre aussi dans la team Ozaru, hein, etc. Le SJ3 JGT il est moyen, il est pas extraordinaire. Il est jouable parce qu'il fonctionne plutôt bien avec Vegeta SJ4, mais sinon c'est pas la folie furieuse. Bon bah en endurance, bah là c'est clairement notre ami. Gotenks, lui, honnêtement, hein, je vous le dis, hein, lui c'est Speedy, c'est le doublon. Hein. Il rentre en team fusion, il rentre en team sans mêlée, il rentre en saga debout, il rentre en team endurance. Il est titulaire dans 4 teams. Une fois Dokkan, il envoie des putains de pâté ouzbek dans l'espace. C'est du 2,5 millions. C'est du 2,5 millions en crit. C'est vraiment une très bonne unité. Speedis 4 doublons, essentiel dans 4 teams complètes. Donc c'est un must have. Hein. Cette carte, il faut l'avoir dans votre box. C'est un peu comme le Golden AJ. Cette carte, il vous la faut dans votre box. Si vous l'avez pas à 100%, prenez-le, montez-le à 100%. Très bon le Gotenks. Et voilà. Bon après on a Lee Shenron qui peut être un bon copain pour Omega. Et on a la Pan qui est un bon support pour la team Dragon Maléfique. Elle rentre aussi en sans mêlée, mais bon en sans mêlée on a quand même pas mal d'unités. Donc c'est vrai qu'en sans mêlée elle a pas sa place. Par contre elle est moi je la trouve titulaire en Dragon Maléfique. Hein, donc très bonne carte, très bon support. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà pour le récapitulatif, si vous voulez en savoir plus, bah après, c'est en fonction de votre box, hein, vous devez choisir vos cartes. Mais n'allez pas chercher des unités qui ne vous serviront à rien, des unités qui ne sont pas jouables. Moi je vous conseille de prendre des unités que vous pouvez jouer, et quand vous ne pouvez pas jouer l'unité, bah c'est vraiment parce que ce sont des must-have, comme le Golden Agi qui va vous servir de toute façon dans plein de situations différentes. Golden Agi peut carrément vous carry un boss au niveau de la tankiness. Donc voilà quoi. Ouais pour le Dokkan il y a ces cartes là hein. Alors pour monter l'aspect on a
le Gotenks. Voilà, on a celui-là. Donc c'est lui, il vient partir du Goten Tech, je crois. Et on a ensuite on a le Trunks 1 qui me semble. Il est où ce coup? Ah, et le voilà. Et le voilà. Donc moi, bon, moi, bien sûr, hein, tous mes cartes sont montées Speedis, machin, et, voilà. D'ailleurs, ils sont plutôt sympathiques, hein, ceux-ci. Lui, c'est un support qui donne ki plus 3, et l'autre, c'est un changeur de ki. L'autre, c'est un changeur de ki, donc, voilà, moi, je les aime bien. On a 7 tickets. 7 tickets. Donc, choisissez bien vos cartes. Bon, personnellement, je sais même pas qui prendre parce que j'ai quasiment tout à 100%. Donc, moi, c'est plus compliqué. Je sais pas qui prendre. Je vais devoir prendre des personnages un peu plus OZF en fait. Hein. Les must-have, je les ai à 100%. Voilà. Les must-have, je les ai à 100%. Donc, moi, ça, je les ai à 100%. Je vais peut-être prendre du coup des goûts de Kouagi. Parce que bon, pour monter à 100%. Ah ouais, vraiment là moi le. Ah non bah je sais. Moi je vais prendre. Je vais me prendre 5 Bardock. Non 4 Bardock. 4 Bardock. Et puis. 4 Bardock de boue. Voilà. Je vais me prendre 4 Bardock 3 boue. Comme ça je suis tranquille. Hein. 4 Bardock 3 boue, le reste j'en ai pas besoin. Le reste j'en ai pas besoin. On va prendre 4 Bardock 3 boue pour moi, personnellement. Bon. Hi Danny Cade, what's up? Du coup, pour les SSR, bah voilà. Hein, voilà les SSR que j'ai eu. Malheureusement, bon, il y en a pas mal qui iront chez Baba parce que j'ai déjà 100%. Et c'est cool d'avoir eu deux. Bah non, bah du coup, le lui, je n'aurais pas besoin d'en prendre 4 non plus. Bon bah, Colifa, malheureusement, ira chez Baba, ça me fait chier. Moi, je commence à en monter une deuxième, mais bon, ça sert pas à grand chose. Hein. Ça ne sert point à grand chose. Bonne nuit, NJ. Ciao, ciao. Ouais, et bonne nuit à madame aussi. Puis un coucou, hein, parce qu'on s'est pas vu. Hein, donc, coucou et bonne nuit. Bon, bah j'espère que votre tournoi s'est bien passé en tout cas. Moi ça va, j'ai quand même bien glandé pendant le tournoi. Hein, j'ai vraiment glandé pendant ce tournoi. J'ai fait quand même pas loin de 20 heures de pause hein, en tout. 20 heures de pause pendant le tournoi. C'est rare. C'est rare pour être souligné. Bon, bah de toute façon, les récompenses sont sympas. On aura de quoi faire. On aura de quoi faire. Moi, il y a ce Gohan qui a un éveil. Le Gohan SSJ2 d'ailleurs que je vais monter. Hein. Je vais le mettre à 100% celui-là. Le Gohan a enfin son Dokkan. Je vais pouvoir le mettre 100%. J'ai mes 4 doublons dessus. Et voilà, super petit support ki plus 2, attaque EDF plus 30% pour Agi Tech End. Donc il marche très bien en Team Tech bien sûr, mais aussi en Team Sans Mêlée. Donc il est plutôt sympathique. Moi je l'aime beaucoup. Et du coup quand je ferai il va rentrer dans ma team secondaire tech pour le Battlefield. Et il est plutôt sympa. Donc il ira à 100%. Bon petit cogneur. Et puis voilà quoi. J'aime bien la carte. J'aime beaucoup la carte. On va voir que je le spédisse. Et que je lui mette. Non, j'ai pas vu. Attends, on va essayer du coup.
Ah bien. Ah j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup. Ah j'aime beaucoup l'idée. Ah c'est classe. Ah bien. Bon lui je vais le monter, je suis en train de monter sa spé avec les Goten, enfin les Gohan Hunt, hein, donc je vais pas le mettre spédit tout de suite. Je monte sa spé avec les Gohan du Baba Shop. Et voilà. Bon petit support. Et puis en plus bah, je vais avoir plein d'orbes hein, là. Ils vont me couvrir d'orbes. Je vais avoir assez d'orbes pour mettre 4 ou 5 persos de chaque. 4 ou 5 persos de chaque 100%, donc là les TB honnêtement c'est la fête du slip au niveau des orbes. Je vais avoir genre 20 000 orbes petites jusqu'à 1500. Moi j'ai 1500 orbes grosses, donc 1500 grosses orbes. Non mais c'est complètement dingue ce qu'ils offrent en récompense dans le tournoi là, c'est pour les sphères de potentiel. 1500 orbes grosses comme ça, 12 000 orbes comme ça et 22 000 orbes de petites, c'est what the fuck, complètement what the fuck. Bien sûr, Draken, tu vas jouer le Goku puis dans la Team Magie, c'est connu. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas encore fait le Battle Road Draken et qui ont besoin de cartes pour augmenter leur monotype. Tout le monde n'a pas fait absolument tous les événements du jeu. Hein. On parle à des gens qui ont réussi un ou deux Battle Road et qui ont besoin de cartes pour augmenter leur team. Non, j'ai pas invoqué sur Bardock Eller et je n'invoquerai pas sur Bardock Eller. Déjà parce que pour moi c'est un des plus dispensables, c'est un des LR les plus dispensables. Voilà, ce sont les LR payants. Ils sont pas un. Enfin pour moi on peut vraiment s'en passer et faire sans. Hein, donc, Alors si un jour on a la chance de pouvoir en dropper sur d'autres. En fait les LR. Ces LR là, pour moi, mais hein, après ça n'engage que moi. C'est le genre de carte qui s'obtient sur des trucs à tickets. Sur les machins anniversaires, etc. Dépenser 400, 500, 600, 700, 800 euros pour les chercher, non, arrête, non. Voilà, j'ai pas envie, c'est pas mon trip. Donc après, c'est mon avis à moi, chacun fait ce qu'il veut, je m'en branle. Vous pouvez claquer votre salaire dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez, hypothéquer votre maison. Je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Moi, je vous conseille, je vous déconseille d'invoquer dessus. Et pour les free-to-play, encore plus. Puisqu'il y a plein d'autres portails qui sont intéressants, qui vont vous permettre d'augmenter votre box significativement, parce que faut pas oublier quand vous voyez le portail LR, regardez la gueule du détecteur, hein. Il y a le LR mais après c'est que du pull à piste. Bon, à part le Bardock Tech qui est plutôt sympa, mais voilà, vous voulez avoir du Thomas Ozaru, vous voulez avoir de la Selipa, du Topeto et du Pumpkin. C'est ça dans le détecteur, les gars. Ça, c'est dans le détecteur. Hein. Donc, après, chacun son combat, quoi, tu vois. Bon, même si le Thomas, une fois d'Okan, il est sympa. Hein, donc, le jetez pas. Le Thomas, une fois d'Okan, il est sympa. C'est même un bon support pour. C'est même un bon support pour Vegeta. Mais sinon, voilà. Honnêtement, voilà, moi je vous déconseille clairement d'invoquer là-dessus.
Et c'est un mec qui a 1500 DS qui vous le dit. Donc si vous en avez, si vous avez 150 DS, vous voyez, réfléchissez un petit peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous déconseille d'invoquer ce genre de portail, c'est vraiment pas les bons bails. Après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous le faites, voilà, c'est vous, hein. C'est vous et vous-même, c'est vous et votre stock de DS, hein. Donc voili voilou, quelle heure est-il? 22h40, bon ça aurait été un petit live, mais bon, voilà, j'avais pas de connexion internet donc je pouvais pas faire de live avant. On se retrouve demain, on va y avoir du farm, hein. Demain il va y avoir du farm, des missions à faire, etc, etc, hein. N'oubliez pas qu'on a notre ami Shinron à faire, d'ailleurs j'ai pas été voir les... Donc là il faut aller chercher un personnage, on va le faire tout de suite. Il faut aller chercher un personnage avec les cartes cadeaux là. Udo Kanch. Aujourd'hui elle est sur la gauche, aujourd'hui plus simple. Donc qui je vais prendre, moi j'avais dit. Donc moi je vais prendre 4 dans 3 3 barres d'optech. Voilà. Donc je vais mettre mon barre d'optech 100%. Je crois que je peux en prendre. J'ai besoin que de 2, je crois. Voilà, la première bouboule pour Lunga. Et la deuxième, je sais plus ce que c'était. La deuxième, ça doit être demain, non? On est quoi aujourd'hui? Lundi 12. La deuxième, ça doit être demain. Je pense. Je sais pas. Ouais, la deuxième, c'est demain. Donc on verra ce qu'on a demain. Voilà. Donc moi, je vais mettre mon... Mais j'ai toujours souvent Bardock. Bardock, lui, tu as eu là. Un Bardock, j'ai. Bon, j'en prends 3, du coup, enfin encore 2. Comme ça, il sera à 100% anti Bardock. C'est ce que je viens de dire. Draken. Dire quand j'ai fait quand j'ai slide vers la droite, j'aurais dû directement appuyer sur la gauche, j'aurais été direct. Salut Sir Zolski. Ah ok, bah pas de soucis Draken, pas de soucis. Bon, en tout cas voilà, n'oubliez pas ce virus, hein, qui aura son ZTUR, s'il vous plaît arrêtez de balancer. Vous voyez, j'ai vu tellement de gens virer leur SSR, les vendre chez Baba. Vous voyez que des cartes comme le virus, le plus, pour moi le plus représentatif de ce, de ça, le plus représentatif de ça, c'est notre ami Bou. Ce Bou là que les gens ont vendu en masse chez Baba. Et pour moi ce Bou là est vraiment représentatif de l'effet trou du cul sur Dokkan Battle. Hein, ce bout là aura le meilleur Dokkan de tout Dokkan Battle, hein. Donc voilà, c'est... ne jetez pas vos cartes s'il vous plaît, ne jetez vraiment pas vos cartes. C'est la hint, il est bon, son ZTUR est bon, mais ça vaut pas le bout, quoi. Je veux dire, tu vois, le bout en termes de trucs, ça vaut pas ça, quoi. Qui a le lien DS de la guerre? Je pense que Bojack LR il doit l'avoir. Non, les filles, les Peachy Peachy Girls, les filles pleines de vie. Tout ce qui est pan, tout ça, quoi. Hop. Sélection de catégorie. Hop, le lien DS de la guerre. Voilà. Il y a un petit qui plus 2 pour les Peachy Peachy Girls. Donc bah vous voyez, un AC 18 là. Elle l'a pas.
veulent pas non plus. On va faire plus simple. Hop. Hop. Désolé, la guerre. Hop. Donc on a laissé 18, on a quelques chichis. On a la videlle, on a les pans. Voilà, vous voyez tout, tous ceux qui l'ont. Hop, hop. On a la pan support. Voilà, vous voyez la liste. Hop, hop, vous voyez tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, il y a de quoi de faire la team de la guerre, machin. Bah, c'est pas Calais que j'ai montré, c'était Khalifa. Ah, si, bah, là aussi. Voilà. Ça, bref. Putain, par contre, il me fait chier d'avoir rechopé la. C'est pas 100%, hein. Ah non, il manque doublon là-bas. Ouais. Je pensais que je l'avais 100%, hein, madame. La Pichi Pichi. À quoi sert les nouveaux végétaux puits chez Baba? Bah. Moi personnellement, ils me servent à monter le deuxième végétaux. Hein, ils me servent à monter le deuxième végétaux que je vais monter. Que je vais. Quand je pourrai mettre 4 doublons. Et si un jour il a. On a la possibilité de pouvoir le Dokkan, donc si un jour il nous remet des médailles, j'aurai le LR 100% et le TUR à 100% également. Du popcorn. Et j'aurai également le TUR. Voilà. Donc pour l'instant j'attends, moi j'ai pris les doublons et puis j'attendrai de pouvoir le mettre TUR un jour. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, mettre son doublon en la classe. Bon, par contre, il va falloir que j'ai Dokkan certaines cartes, hein, parce que bon, j'ai quand même pas mal de cartes du coup, qui sont déjà Dokkan. Je vais avoir que j'ai Dokkan pour mettre leur doublon. Le Wistek, bah, je vais pouvoir le Dudokan et mettre son doublon. Ah, lui il manque un doublon, donc lui je vais prendre un doublon pour pouvoir le mettre 100% également. Comme ça je serai tranquille. Le Agi. Ouais, voilà, je regarde vite fait comme ça, baleine. Je regarde vite fait comme ça. Non, mais je sais qu'il clignote quand il y a un doublon, les gars. Je regardais comme ça à l'arrache. Merci, Popcorn. Merci pour le follow. Bon, les gars, sur ce, on va s'arrêter là-dessus. On reprendra bien sûr demain. Moi, je vais aller me reposer un peu. Hein, parce que pour moi, quand même, été fatigant. Puis demain, boulot. Hein, demain, la reprise. Donc voilà, demain, debout beaucoup trop tôt pour le combat des mortels. Ouais, bien sûr, Banane, bien sûr. On est d'accord. Bon, allez, je vous souhaite bon courage, bonne nuit, bon courage pour le boulot demain, tous. Voilà, on se retrouve demain à même heure. Enfin, non, pas à même heure, à partir de 20h. C'était la même heure sur Dokkan Battle. Ouais, mais demain je dois y aller. Je reprends officiellement mercredi, mais demain je dois y aller pour redémarrer les ordi, ranger un 2-3 bordel. Tu sais, je dois préparer un peu le bureau pour pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler mercredi. Voilà, voilà. Bon, les ordi sont éteints depuis. Demain je vais lancer les mises à jour et tout le bordel, quoi, des ordinateurs. Etc. Parce que bon, ils ont été éteints pendant. Pendant tout mon arrêt. Hein, donc, je suis arrivé trop tard, on dirait. Ah bah, je me lève à 4h du mat demain, donc là-dessus, voilà quoi. Merci Diogo, merci pour le follow. Donc voilà, on se retrouve demain. Demain, il y aura plein de trucs à faire. Les matchs Steam. Non, toutes les conneries de match Windows, etc. Et toutes les conneries de match logiciel moisi. Hein.
Bon, par contre, si vous me voyez connecté sur Steam demain, c'est que j'ai fini un peu plus tôt que d'habitude. Je suis enfin rejouer à The Arbillions. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à The Arbillions. Ça fait plusieurs mois, hein, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, je vous dis à demain. C'était Daniel Nord, Full Gun Battle. Ciao, ciao.